Donc voilà, d'abord, on dira l'exercice d'application. Donc, créez l'exercice un peu. Castale. Ah ouais, là, là. Écrire l'équation de la droite de charge de la diode utilisée dans la figure 1. Voilà. Après l'exercice Donc, roulant. là, ça fait un danse ensemble. Merci. Voilà. Donc, on a un circuit. Ok, mais je n'ai pas le cours. Donc, on voit le haja. Donc, on dirait, il y a le pro. Donc, le wadi mail, ici. Donc, on fait l'exercice. Là, je vais dire. Donc, il crée l'équation de la droite de charge. Il y a l'équation. Il y a le pro wadi mail. Donc, l'équation de la... Donc, question 2. On a la valeur d'IL E. Il trace la droite. D'abord, tracé 1 pour la valeur E égale à 1,4 volts. Donc, question, déterminer les coordonnées d'IL point de fonctionnement, de saturation, point de blocage et du point de fonctionnement. On déduit la résistance statique et la RL. Donc, nous dirons ensemble. Voilà. اكتبان لك ياك طب لو سيبك اوكي دونك اكزرسيس دونك توجور لي ديود دونك اكزرسيس دابليكاسيون اكزرسيس دابليكاسيون فوالا تري بيان دونك عندنا السيركوي دونك السيركوي ديالنا هو هذا دونك لا ريزيستانس ار عندنا ديود فوالا اي فوالا دونك ici دونك هاد لا تونسيون الى ريغلابل ار ايكال ا 10 اوم هنايا لا تونسيون او بورن لا لا ديود دونك هذا لا ديود فوالا هذا هو السيركوي ديالنا. Donc, première question, elle vous demande donc écrire l'équation de charge. Donc, équation, équation de la droite de charge. Donc, est-ce que nous pouvons dire tout simplement la loi d'Email. Mais avant, donc avant, avant de dire, ou là, on dit, donc on dit le mail, donc on dit le mail, c'est le noir. Donc on dit que c'est la mail, donc ça va être le nom. Donc on a le même sens, donc E, donc on a le sens opposé. Donc on a le courant ID, les dark flat diode. Donc, par exemple, ID. Donc, la résistance, c'est moins, le sens opposé, moins RID. La tension au bord de la diode, WED, VD, WED. Donc, moins, ça va moins VD. Tout ça égale à zéro. Donc, ce qui implique donc, normalement, on a un peu la droite de charge, il y a I en fonction de V. Allez, ID en fonction de VD. D'accord? Donc, ça fait ce qui nous donne donc ID. Ça fait CE moins VD sur la résistance R. Donc, l'IA, bien sûr, moins 1 sur R, VD plus E sur R. Exactement ce qui m'a donné le cours. La même chose. عفاك واش تيبان ليك تيبان ياك ليكخون اوكي دونك اوكي دونك هادي هي لا دروات دونك لا دروات دو شارج
Donc, il a donné application numérique. Donc, je l'ai non. Donc, il a donné application numérique. Je l'ai non ID. Donc, on a moins 1 sur R. La résistance, on a dit, il y a H3. Donc, ça fait 1 à H3. Il y a moins 0,1 VT plus E. Il y a 1,4 volts sur la résistance. Plutôt, on a mis la question de la question 2. Donc, on a mis à E. Donc, 1 sur 10, il y a 0,1 fois E. Donc, voilà l'expression de la droite de charge. Donc, on a dit que nous avons l'équation. Je la prends positive ou la négative? Je la prends négative. Négative ou que voilà, c'est une droite de pente négative. Très bien, exactement la même chose que chez les chenaux de cours. Donc voilà pour la question 1. Maintenant, la question 2. Donc d'abord, on a de la valeur I égale à EE égale à 1,4. Tracez la droite de charge dans le plan I en fonction de V. On a tracé la droite ici. On a tracé une palma, quoi. Je suis déjà négatif. OK. Donc voilà, là. Maintenant question 2. Question 2. Donc la représentation de la droite de charge. Il y a un F dans le plan I en fonction de V. Donc, bien évidemment, E, il y a déjà, c'est 1,4 volts. Donc, d'abord, on trace la droite. Donc, je vais dire. Déjà, l'équation est sortie maintenant. VT est égal à moins 0,1 VT plus 0,1 fois E. Donc, il y a l'équation qui est sortie. Donc, d'abord, on chauffe. Pour VD égale à 0. Maintenant, je vais faire ID. On va faire 0,1 fois E. Mais il y a 0,1 fois 1,4. Donc, les va 140 milliampères. C'est le volt, c'est le ohm. Insère complet. Donc voilà. Donc ça c'est ID. On a 0. D'abord on chauffe pour matière VD égale 0,6 volts. On est en arrière de matière silicium. VD est égal à 0,6. Donc je vais atteindre ID. Donc, la valeur de l'ID, là, on a vite 0,6. Donc, ID, d'après le calcul, il y a 80 milliampères. Donc, d'abord, on va dire un tracé. Donc, un tracé, la pente, ou bien la droite. Donc, un tracé, la droite, voilà. Donc, ça, c'est I en fonction de V. Donc, on a V de seuil, et on a 0,6. Donc, voilà. On a un ordre pour. Donc, VD égale à 0. On a VD égale à 0. On a ID, je vais le faire, 140 milliampères. Donc, on a par exemple 1 milliampères. Donc, si 140 milliampères. On a dit, voilà, 0,14, on dirait un ampère. Je vais faire un double volt.
ça dépend de ce que tu as. L'exercice. Attends, mais les hommes périodes. Ah. Voilà, attends, 1000 ampères. Vous avez d'accord? Le volt. Voilà, il y a le volt. Donc, le volt ou le courant, 1000 ampères. 1000 ampères. Très bien. Donc, on a les 1040. Donc, on a les 1040, 1000 ampères. وهنايا بالفولت دونك هنا 100 امبير 100 بالفولت دونك صافي غنشوف دابا اي دي دونك في دي ايغالا 0.6 ها هي الوغ اي دي ايغالا 40 اش بغيت هنايا في دي ايكالا 06 دي ايكالا 40 فوالا هنا اذا بغيتي راه غديري 0 بور في دي ايكالا 0 تلقاي بور في بور اي ايكالا 0 تلقاي في دي لا فالور ديال في دي بحال حتى هي صحيحه اذا بغيتي ديري هذه راه صحيحه دونك 0 كتقلبي على 06 Donc, il y a projection 0,6 ma 0,6 ma 80. Deuxième point, qui a les deux points. Voilà, premier point, il y a des 0, il y a 1,020. Ou deuxième point, il y a des 0,6 ma 80. Donc, l'essentiel est de préparer deux points. Soit ici 0 ou la 0,6 ou la. Il y a ça, la 0, ça. Voilà. C'est clair? C'est bon? Voilà. Donc, d'abord, un chauffe-eau. Question 3. Donc, question 3. Donc, je n'ai pas question 3. Déterminer les coordonnées du point de saturation, du point de blocage et du point de fonctionnement. D'abord, il faut Donc, question 3. Question 3. Donc, les coordonnées du point de saturation. Les coordonnées du point de saturation du point de blocage et du point de fonctionnement. Donc, saturation, je me dis là. Il y a un niveau qui est saturé et qui est le. يعني لو كورون كياخد واحد لا فالور ماكس بو لا تونسيون في دي دونك في دي كتاخد لا فالور زيرو و اي دي يعني كتاخد واحد لا فالور اللي هي اللي لقينا هي 140 ميلي امبير دونك لا ديود ساتور باغ كونتخ في لو بوان دو بلوكاج دونك بوان اللي كيكون بلوكي يعني اش يعني الكورون ما غاديش ياخذ لا فالور ولكن غياخذ زيرو يعني ملي غيكون بلوكي يعني لو كورون يعني غيولي السيركوي اوفر هاد لوكا دونك غيولي السيركوي اوفر يعني لو كورون اي نول
le cas de blocage. Point de blocage. Donc, on dirait VD égale à 0, donc V, ID égale à 0, donc VD rapporte la valeur E, il y a 1,4 volts. Donc, il y a le point de blocage. Donc, blocage ID qui est égal à 0, saturation VD qui est égal à 0. Ou le courant, il y a 40. D'abord, on a le fonctionnement. Donc, le point de fonctionnement, il y a H. Donc, le point de fonctionnement, il y a l'intersection bien la courbe, la droite de charge ou les caractéristiques tension courant. Donc, point, comme ça, on a le point de fonctionnement, il y a H, point de fonctionnement, il y a H, il y a l'intersection, donc l'intersection, تقاطع سيكسيون entre quoi et quoi de l'intersection de la droite ou bien de la caractéristique I en fonction de V de la diode avec la droite يعني تقاطع بين la droite de charge I en fonction de V la droite de charge يعني H. عندي لا كورب ديالي هو هذا دونك في لي كاراتيستيك اي اون فونكسيون دو في هي هذه اي اون فونكسيون دو في وعندي لا دروات دو شارج هي اللي تراسينا دونك التقاطع هذا هو البوينت فونكسيونمون دونك نسميها باغ اكزومبل ام دونك هنايا عندي واحد اي ام وعندي واحد في ام دونك هذه هي لو بوين دو فونكسيونمون دونك صافي عندي لا كورب هو معطي ديجا ou a déjà tracé ça donc on dit projection donc on dit l'isqat l'hadi donc on حصل هنايا على vm on dit l'isqat على l'axe y on حصل على im هادو هما لي كوردوني ديال اش ديال point de fonctionnement c'est clair est-ce clair s'il vous plaît ah Austin استاذ فهذاك البوان ديال بلوكاج هذيك اي دي ماشي ضروري نلقاو شحال كتساوي بالضبط غير نديرو قريبه للصفر وي البلوكاج يعني الديود بلوكي دونك لو كورون ايغال ا زيرو اي دي صافي حتى لي ابروكسيماتيفمون دونك اي دي ايغال ا زيرو لي كاركتير دونك دابا كيسيون 4 اون ديدوير لا ريزيستانس ستاتيك دو لا ديود Donc, la résistance statique, par définition. Donc, 4. Donc, résistance. Statique. De la diode, bien sûr. Donc, par définition, la résistance statique, les points de fonctionnement. Il y a la tension. Fonctionnement sur le courant de fonctionnement. Avec le fonctionnement dit j'ai l'adresse de projection après la valeur تقريبان donc il a dit donc 140 fin كاين 140 120 120 140 non donc 140 هي هذه donc 140 هي هذه شحال لقينا في في دي سيل فو بلي دونك تقريبا المهم غندير التقاطع فوالا دونك غندير البروجيكسيون هنايا وغندير البروجيكسيون هنايا دونك ابروكسيماتيفمون دونك ابروكسيماتيفمون الا تراسيتي في الدفتر ديالك غتلقى غتلقى واحد لا فالور اللي هي في ام تيغال 0,85 فولت وغتلقى اي اف تيغال دونك 57 ملي امبير فوالا اي بار كونسيكون دونك جو رومبلاسي دونك صافي ار اس تيغال 15 اوم دابري ابليكاسيون
Donc, application numérique. Voilà. Donc, question 5 maintenant. Donc, la question 5, déterminer en utilisant sa caractéristique des éléments du chemin équivalent de la diode dans le sens direct et dans le sens inverse. Donc, question 5. Donc, les éléments, voilà, les éléments du schéma équivalents de la diode, le sens direct ou le sens inverse. Donc, premier cas, sens direct. Voilà. Donc, les éléments de schéma, il y a H, il y a la résistance dynamique au vide seuil. Du schéma équivalent. Les éléments du schéma équivalent. Je n'ai pas dit diode ouada. Donc, équivalent, le 1, moins plus le courant et la résistance liée à R dynamique, RD. Voilà, voilà la tension. Donc, là, ID. Donc, la tension V, les voilà, qui est V de C, plus la résistance dynamique, fois le courant I, ou bien I. OK? Donc, les éléments du schéma équivalent sont la résistance équivalente ou être vite C. Donc, les éléments du schéma équivalent. Équivalence. Il y a la question 5. Il y a déterminer les éléments du schéma équivalent. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous savez, la résistance dynamique, c'est la pente. Il y a la pente, donc la résistance dynamique, il y a H. Normalement, si la pente fine de la tangente, si la pente, il y a définition d'Elha, de la tangente autour d'Elha, le point autour de RF, ou bien PF, le point de fonctionnement. Il y a ni H. Donc, on dit ici, donc on dit donc les caractéristiques I en fonction de V. On dit donc les caractéristiques réelles. On a la tangente, le V de seuil. Donc la résistance dynamique, il y a la pente. De la tangente autour du point de fonctionnement. Point de fonctionnement, normalement, qu'il y en a là. On a quand tracé la tangente autour du point de fonctionnement. Ou quand on a la R dynamique, il y a qu'un arc de deux points ici, donc c'est delta V sur delta I. Il y a la résistance dynamique, un arc de deux points. Bhal le bac, le mohamil mouja ou delta Y sur delta X. On se bel vide seuil quand on dit projection. Donc vide seuil. Voilà, vide seuil. Donc, ce gars-là, fait le cas, c'est 0,75. Tu as dit la tangente, tu as dit la tangente là, ou l'intersection bien had l'axe de l'IV, mais l'axe de la tangente, qui a été vite ce, il y a d'avoir vite ce. Donc, là, il y a des projections à 0,75 volts. On a des deux points à la valeur de RD, il y a 0,2,5 ohms. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, stop. Voilà, juste. Donc, juste quand on dit la tangente de la caractéristique réelle, au moins la caractéristique réelle, quand on dit la tangente autour du point de fonctionnement. Point de fonctionnement, le guinéen. Voilà, donc d'abord, on a fait sens direct. Maintenant, on dira sens inverse. Donc maintenant, d'abord, on chauffe le sens inverse. OK? Donc, même question. Donc,
donc sens inverse. Donc sens inverse, fait le cas, donc la diode récon bloquée. يعني بلوكي يعني غيكون إكيفالون لواحد الانتيريبتور أوفر. غيكون إكيفالون لواحد الانتيريبتور أوفر. كوم سا. دونك هذا هو لا ديود. دونك إيسي. دونك لا نود. هنايا لا كاتود. نورمالمون لا ديود داير بحال هكا. دونك أنود. دونك لا كاتود. Voilà. Ouf, donc voilà. Obenzbef le sens qui m'a dit là, donc dans le sens direct, normalement. Donc la tension au bord de la voie qui m'a dit là, plus la résistance dynamique fois le courant d'idées, c'est le sens, donc à direct, équivalent. Là, sens direct moins plus si la résistance dynamique ou là, ID d'avoir la tension V. Donc là, VD égale à 0. Voilà. Donc maintenant, question 6. Donc, question 6. Donc, la diode D est utilisée dans le circuit de la figure 3. Donnez la condition pour que la diode soit conductrice. Je vois les conditions chaque bachikoun head le conducteur conductrice. Bien sûr, la diode, les 15 figures 3. La wall figure 3, les 15. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, question 6, condition pour, donc la condition, donc condition pour que la diode yani passe soit conductrice ou bien passante conductrice. Donc je vais maintenant la résistance R qui te met qui te met ça. Voilà, donc là on dit la diode chez figure 3, donc on a plus moins, donc on a E. On a l'anode, on a la cathode. En fait, il y a schéma diode. Donc, ça, c'est la tension à l'entrée. Avec VE de T, c'est égal à 20 sinus oméga T. Maintenant, E, c'est égal à 5 volts. Donc, d'abord, on va faire la maille 2. On va dire, on se met par exemple la maille 2. Donc, là, on se met à la maille 2. Donc, la maille 1, on va dire la maille. Donc, la maille 2. Voilà. Donc, la maille 2, je suis maintenant. Donc, la tension, elle est le même sens. Donc, elle a le même sens. Donc, ça fait VE de T. Donc, ça, c'est le courant, par exemple, l'IGMN, la diode, ID. OK. Donc, D, c'est la résistance. Donc, on a un double ID. Donc, on a un double ID. Donc, on a le sens, donc même sens, plus R, ID. Ou la tension, dans la tension. Donc, la tension au bord de la diode. Donc, ça, c'est VD, le courant comme ça. La tension, le sens opposé. Donc, ça fait plus VD.
وهنايا دونك سا سي لو سونس ديال لا مايل و لو او في لو سونس اوبوزي دونك سا في موان او ايغال ا زيرو دونك سكي امبليك دونك في او دو تي اش غتساوي غنجيب موان ار اي دي موان في دي بلوس او فوالا دونك ليكسبرسيون ديال في او دو تي ولكن حنا خصنا نقلبو على اي باش نشوفو امتى غيكون لا ديود باسونت كونديكتريس لا كونديسيون يعني خصنا نقلبو على لا يعني على ليكسبرسيون ديال اي دي افيك ما نساوش ان في دي يعني كونديكتريس هي فيد سوي اسمينا اس بلس لا ريزيستانس ديناميك فوا اي دي هذا هو في دي او بورن ديالاش ديال لا ديود دونك صافي Je vais remplacer VD par l'expression dialo. Expression dialo. Et par, donc, par la suite, je, donc, on a le ID. On a le ID. Donc, on a moi. Ça fait ID. Je vais factoriser par. Donc, on a dit ID. On a dit ID. Donc, on a dit la factorisation par ID. Donc, ça fait R plus RD. وهذا غنجيبو لهنا صافي غيولي موان في او دو تي وهذا غنخليه في بلاصتو دونك غيولي بلوس دونك في تسي هذا دونك كان هنا غنجيبو لهنا دونك غنخلي في بلاصتو بليتو هذا غنجيبو لهنا دونك صافي موان موان في في اس فوالا في تسي دونك في تسي Donc, c'est ça l'expression d'ILH, d'ILD. L'expression d'ILD. D'abord, un chocolat la condition, moi, j'y compte conduite, ou bien conductrice. Pour que la diode, pour que la diode soit conduite, donc diode conduite, ou bien conductrice, implique, imta, si. Il n'y a qu'un ID positif, alors la diode est conductrice. Et en H, il n'y a qu'un ID positif. Donc, donc, je n'ai pas la condition sur VE. J'ai VE là. Donc, VE va être inférieur à E moins V de C. Bien sûr, E là, V de C là. Donc, VE inférieur à la valeur pour que la diode soit conduite. Donc, il y a positif. Donc, il y a juste deux termes, là, c'est un nul. Donc, Ranjib, VO, là. Donc, VO, Ratouli, inférieur à E moins VS. Donc, sinon, la diode est bloquée si, donc, diode bloquée, il n'a qu'un VE supérieur à E moins VS. Voilà, la diode répond bloc. Il y a ni H, il y a ni le courant. Enfin, le cas répond négatif. Donc, il y a quand le courant négatif, le sens opposé, de Schnartan, il y a le sens, ID. Il y a quand ID négatif, il y a un rétrême maintenant. Au diode, il y a comme ça. Donc, il y a le courant de Hadjiha, il y a un ID négatif, il y a un rétrême Hadjiha, il y a un diode répond bloqué. Sinon, il n'y a qu'un ID positif, yani le sens dial ou wada, yani la diode répond passante. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ah. C'est bon?